Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 175 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Insane 2. Alors bon, on n'a pas fait le Insane 1, peut-être un jour on le verra. Insane 2, bah, c'est un petit jeu de voiture, bon c'est tout en anglais. C'est un petit gameplay assez rapide, on va pas y passer 30 ans, c'est des petites courses toutes simples avec des graphismes. Tout bien fait quand même. Et donc bah, c'est parti, on va faire un jeu en mode Championship, on peut faire Garage Achievement Rating, Championship, compétition, bah voilà, on prend le premier et on va faire la seule championnat qu'on peut faire au début. Le premier donc, du coup, forcément, c'est parti. Alors on choisit notre voiture, pareil, on n'a qu'une seule voiture. Forcément, on vient de commencer. Donc c'est parti, Insane 2, Loading. Donc pas de cinématique, hein, c'est direct. Donc là, on voit que les graphismes sont déjà bien. enfin, pas détaillé, mais c'est quand même des jolis graphismes. Allez, donc c'est parti. On est sur la ligne de départ. Et on y partit. Donc, Bobo en fait. Donc, c'est des petites voitures assez légères, assez faciles à contrôler. Et on va devoir passer la course. Donc, on a une sorte de nitro, regardez, que j'utilise. Qui se recharge toute seule par rapport à notre avancée, par rapport à nos actions. C'est une sorte de, un peu dans le même système Need for Speed, hein. Ça se recharge souvent dans les jeux où c'est qu'il y a de la nitro comme ça. Hop, je suis passé là. Alors par contre, il faut que je passe par les checkpoints. Et je crois bien que j'ai raté un checkpoint. Wrong checkpoint. Ah, je crois que j'ai pas du tout bon. Je continue d'espérer, mais je pense que le checkpoint était mauvais de base. Et voilà, wrong checkpoint qui me le dit, donc je vais recommencer la course. Play again. Voilà, donc on va la recommencer comme on vient juste de la faire. Faut pas que je rate au moins cette porte. Donc voilà, donc faut passer tous les checkpoints. Il doit y avoir un temps quelque part, oui, en bas. On n'a pas de temps minimum à faire, donc il faut juste finir premier en passant tous les checkpoints. Bon, ça commence un peu mal. Je viens de me foirer. Hop. Ah bah dis donc, elle est pas très facile à contrôler quand vous roulez pas vite, hein. Sur petite surface, elle est chiante à contrôler. Hop là, on est mieux à grande vitesse comme ça, on arrive mieux à faire des manœuvres. Donc voilà, checkpoint, on va essayer de pas rater l'autre qui doit être pas loin là, qui doit être juste là. Hop là, oui, hop. Donc c'est fait exprès, il y a la petite structure au milieu qui nous permet de se caler contre. Par contre, faut pas faire l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, c'est passer à droite. Pourtant, c'est bien tentant. Alors, il n'y a pas tellement de choses, c'est-à-dire de bonus, des choses comme ça, un peu qui pourraient pimenter un peu la course. Là, c'est surtout du trial, quoi. C'est de la course. On se fout dessus presque, on peut un peu se taper, on n'a pas tellement de santé sur la voiture, donc on peut vraiment faire des tonneaux un peu comme on veut. Et faire un peu comme on le sent. Hop là, on tourne ici. Voilà, j'essaye de passer devant la voiture qui s'appelle Kian. On a Kianana Bin. Voilà. Et donc là je vais avoir fini. Voilà, le premier tour est terminé. Donc on avait commencé là. Donc c'est des courses qui sont pas longues, hein, pas du tout. Allez, je vais essayer de finir premier au moins sur cette course. Donc là on recommence, on se refait le parcours. Je vais essayer de pas me replanter. Voilà, on va pas y arriver. Allez, alors là faut bien le prendre le virage. Voilà, et on se tape toujours. Oh, j'ai cassé ma voiture. Alors comment ça se passe? On atterrit juste là, d'accord. Voilà. Donc quand on casse la voiture, on revient juste un tout petit peu avant. Allez, checkpoint. On va finir cette course. La deuxième course, je la laisserai en mode je commande pas, pour que vous puissiez un peu apprécier les bruitages. Je vais essayer de la gagner, celle-là. Au moins de gagner les deux que je ferai. Checkpoint. Parce que du coup, ouais, c'est le genre de jeu où c'est qu'on a très vite fait le tour. Je peux pas faire un test qui va durer 3 heures parce que du coup on s'ennuierait. Je saurais pas tellement quoi dire. Déjà que la deuxième course je vais vous la laisser. Donc c'est pour présenter le jeu, hein, comme d'habitude, mes vidéos, c'est pour présenter.
Je n'ai pas l'intention de le finir en vidéo. Même si je pense que ça prendrait pas tellement de temps vu la vitesse à laquelle on enchaîne les tours. Je pense que les courses aussi doivent s'enchaîner. Et qu'au final, sur un jeu qui n'est pas tellement lourd, au final, voilà, winner, ça devrait pouvoir le faire. Sylvanus, c'est moi. Voilà, j'ai gagné. Je suis refait, upgrade, ouais. Ok, 1, Africa, donc Eurasia, North Africa, donc on va prendre Africa. On a toujours la même voiture. Oui, voilà, donc ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de filmer, voilà, ça suffira, on fait juste une deuxième course. Et puis c'est parti. Donc je vous la laisse à partir de maintenant et je finis la course. Et on se retrouve juste après. Donc voilà pour cette petite course qui a été assez rapide. Je vois qu'en fait on est à 9 minutes donc on va en profiter pour se faire une petite troisième course pour le fun, pour le bonus. Donc on va finir ce petit championnat. Voilà, donc il n'y en avait que 3 de course donc c'est parti, on fait celle-là. Et je vous laisse aussi le gameplay, c'est parti. We'll be right back.
Et malheureusement, j'aurais pas pu avoir la première place sur cette troisième course. Bon, ben, j'aurais pas le maximum, mais c'est déjà pas mal pour le premier championnat. Donc voilà, il est validé. Et on va pouvoir faire les autres, mais on va pas le faire parce que c'est fini. Donc je vous laisse, donc ce sera tout pour Insane 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.